Toutes choses concourent à la volonté de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est qu'il a bâti, travaille en vain. La solution de ce monde ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident. Mais la vraie solution ne vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. Mais la vraie solution ne vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. Maudit soit celui qui se confie dans l'être humain, ou qui prend un homme comme son réfugié, sa force et son bouclier. Invoquons le nom de Jésus partout dans nos foyers, par des jeunes et prières. Il est le maître des temps et des circonstances. Rappelons-nous pour les enfants d'Israël. Il est le maître des temps et des circonstances. Rappelons-nous pour les enfants d'Israël. La solution, 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 la La vraie solution, 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 oh, il est la vraie solution, oh, il est la vraie solution, you 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 la maison, c'est qu'il a bâti ce travail avec. Tout cela qui se confie dans l'homme, c'est celui qui va la chair comme son enfant. Aujourd'hui, nos regards sont fixés vers les hommes, au lieu de les fixer vers l'Éternel. Si l'Éternel garde silence, cela ne signifie pas son absence. La solution de ce pays ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la vraie solution viendra que d'Éternel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Attachez-vous à ce Dieu, car il est la solution à tous nos problèmes.